Bel après-midi, Inspire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire ma 11e vidéo sur 15 des petites idées DIY, express, cadeaux, pour le temps des fêtes ou bien juste pour vous donner des idées pour vous. Alors, aujourd'hui, j'y allais encore dans le très, très simple. Puis, vous allez voir que c'est bien, bien le fun quand c'est simple. J'y allais avec une huile végétale que moi j'ai choisie aujourd'hui, l'huile d'avocat. Vous pouvez choisir l'huile végétale de votre choix, aromatisée aux huiles essentielles. Donc, on pourrait, vous le savez, on peut cuisiner avec nos huiles essentielles. Je vous en ai parlé dernièrement, que d'ailleurs, je pourrais peut-être vous faire une petite capsule comment cuisiner avec nos huiles. C'est ça. Là, j'en ai sorti quelques-unes. Il pourrait en avoir tout plein d'autres idées. J'ai sorti, par exemple, gingembre, thym, romarin, fenouil, coriandre, origan, qu'on pourra aromatiser notre huile végétale. Donc, puis moi, j'ajoute une petite touche de beauté, une petite touche de goût, une petite touche de fraîcheur quand je fais ça. Donc, j'ai été à l'épicerie acheter du romarin que je vais mettre une branche dans mon... d'ailleurs, j'ai pris ça au Dollarama. Je n'ai rien acheté en ligne cette fois-ci, à part mes huiles. Donc, je vais mettre une branche ou deux dans mon contenant. C'est pour le look, mais aussi pour le goût, hein? Donc, ça va être super beau, ça. Ça. Entonnoir. Huile végétale. Ensuite, je vais pouvoir ajouter mon huile essentielle de romarin. Ça va me faire une huile végétale d'avocat aromatisée à l'huile essentielle de romarin. Donc, on va pouvoir cuisiner avec. On n'oublie pas que lorsqu'on cuisine avec les huiles essentielles, on a deux façons de le faire. Si on fait chauffer notre huile, donc si on la met dans le poêlon, par exemple, à sauter des légumes, si on le met au four, si on met... On fait chauffer notre huile, on va détruire nos molécules thérapeutiques, mais par contre, on va avoir l'excellent goût de notre huile essentielle. Si on ne la chauffe pas, bien, on va avoir toutes les propriétés. OK, puis j'ai choisi basilic. Où est-il? Bon. Je n'ai pas sorti mon huile de basilic. J'irai la chercher après. Mais là, vous allez me demander quelle quantité je mets. Et avec raison que vous allez me le demander. Moi, j'irai... Puis c'est toujours au goût et c'est toujours une goutte à la fois. On n'oublie jamais qu'avec les huiles essentielles, c'est une goutte à la fois. Donc... comme je vous donnerai un exemple, origan, moi personnellement, à l'intérieur de tout ça, je dois avoir un 250 ml au moins là-dedans, je mettrai une seule goutte d'origan. L'origan, c'est une huile qui est chaude, qui est très, très forte, qui goûte fort. C'est une huile qui est intense, fait que c'est pour ça que je mettrai une seule goutte. Si vous faites un cadeau, puis vous ne connaissez pas trop les gens à qui vous donnez le cadeau, bien, allez-y mollo sur les gouttes d'huile pour qu'ils puissent utiliser puis avoir une belle expérience avec les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, on peut les utiliser à l'interne. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ait d'abord une bonne qualité d'huile. La qualité d'huile... certifié CPTG, donc la certification de doTERRA nous assure qu'on a une huile pure et de grade thérapeutique. Alors, voilà. Donc, moi, en tout cas, ça me rassure.
Puis je ne sais pas si vous savez, regardez ça comment c'est beau. Je ne sais pas si vous savez, mais en allant sur le site de source2you.com et en utilisant le numéro de l'eau qui est sous votre bouteille, hein, c'est vraiment subtil, là. Je pense qu'on ne voit pas bien, je n'ai pas un super éclairage de feu. En utilisant ce numéro de l'eau-là, vous allez avoir vraiment la fiche technique, les molécules, le pourcentage, tout l'aspect scientifique et chimique de notre huile essentielle. Donc, là, je n'ai pas sorti mon basilic. En tout cas, je vais aller le trouver, il n'y a que pas dans la maison. Il y a des huiles qui traînent partout. Voyez mon romarin, là, je mettrais peut-être 2 ou 3 gouttes maximum. Parce que j'ai aussi une branche de romarin à l'intérieur. Pour vrai, je trouve ça vraiment joli. Voilà. Comme ça. Ça va avoir l'air de ça. Je trouve ça vraiment beau. Je pourrais même donner ça en duo. Je mettrais une belle étiquette, un beau ruban. Puis voilà. Ah oui, c'est joli. Ça fait un méchant beau cadeau. Fait que c'est ça. Quand je vous dis que je voulais y aller simple, là, ça peut être vraiment très simple faire un cadeau soi-même. Ça peut être peu coûteux. Ça m'a coûté 4 gouttes d'huile essentielle de romarin. Une bouteille au Dollarama à 1,25 $. Puis le corps de ma bouteille d'huile végétale, d'huile de coco. D'huile d'avocat, pardon. Donc, c'est pas quelque chose qui est coûteux, mais c'est super beau à offrir. C'est super intéressant. Puis, ça donne au moins les gens la chance d'expérimenter les huiles essentielles si vous allez chez des gens qui connaissent pas les huiles essentielles. Donc, voilà, c'est si simple aujourd'hui. Il me reste encore 3 belles vidéos, 4 belles vidéos à vous faire. Si vous avez des suggestions, envoyez-moi ça en privé, puis je pourrai essayer de voir ce que je peux faire dans mes vidéos DIY. Alors voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!